À J-9, les partenaires du Salon Charleroi Hainaut Senior présentaient à la presse cette deuxième édition commune, même si, à la province de Hainaut, cette organisation remonte à près de 10 ans. Ça fait une dizaine d'années que la province organisait un salon des seniors. Et puis, on s'est rencontrés avec la ville et avec le CPS. Et on a décidé, puisque la ville faisait son salon de son côté, CPS faisait des actions également. Et donc, il faut mettre tout le monde ensemble. Et depuis maintenant, c'est la deuxième année, nous travaillons en collaboration avec le CPS et la ville de Charleroi. Le salon, c'est une vitrine de ce que fait la province au niveau de son département et nos seniors. Et c'est une action permanente en profondeur avec des activités pratiquement quotidiennes qui se rattachent d'une part à la maîtrise des grands enjeux de la société contemporaine pour permettre aux aînés de conserver le goût de vivre pleinement leur époque. On leur présente un peu tout ce qu'il y a, que ce soit des activités sportives, mais aussi des activités ludiques et des conférences. Il y a aussi toute la problématique de la santé. Le CPS est venu avec cette problématique de la santé. Il y aura le village des associations. Tout ce que les ASBL peuvent faire en lien avec la thématique et les aspirations des seniors. Et donc, on accueillera une vingtaine d'exposants supplémentaires dans le but d'informer les plus de 5000 seniors attendus et parmi eux, une dizaine de services provinciaux. Le fait de travailler pour les seniors, c'est une compétence transversale. Et donc, que ce soit au niveau du tourisme, au niveau de la santé ou au niveau de la scolarité, il y a toujours une ligne sur les seniors. Et donc, on essaye de montrer aussi que les seniors, on parle d'eux dans toutes nos compétences. Enfin, cette année, on a porté une attention toute particulière à la mobilité et à l'accessibilité du site. Il y aura la navette sur le site même pour dispenser les seniors de parcourir tout le trajet par les escaliers qui sont, c'est quand même assez éprouvant.